Eh bien, bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de la Désoyance, je suis Gena422, je serai l'hôte de cette vidéo. Je déteste faire ça, je suis désolé, je passe pour un abruti de première, mais c'est ainsi, en même temps je suis un peu un abruti, c'est vrai, il faut bien l'avouer. Donc nous jouons à Tales of Berseria, nous continuons le let's play, nous sommes à l'épisode 16, ouais on est à l'épisode 16. Et donc on se reprend là où nous en étions. D'accord, ok. Là où nous en étions, dans la grotte, n'est-ce pas? Aizen vient de nous rejoindre. Nous avons donc à présent un groupe composé de 4 personnes, de 4 protagonistes. Nous avons le Malak numéro 2, qui n'a pas de nom visiblement, et qui ne souhaite pas avoir de nom pour le moment dans les médias. Ah, un nouveau truc. Nouvel obstacle. Vous pouvez utiliser du bois d'allumage pour faire brûler des plantes grimpantes et d'autres obstacles afin de libérer le passage. Vous pouvez aussi faire brûler des plantes accrochées à un bloc de pierre pour l'inspecter. Hein? Obtenu boîte d'allumage. Ok. On en a l'infini? Des plantes grimpantes très denses bloquent l'entrée de la grotte. Avec un peu de bois d'allumage, vous pouvez peut-être les brûler. Yeah! Nice! Ouais, mais ça c'est la suite. Et on veut pas aller à la suite. On veut découvrir ce qu'il y a un peu partout. Wouh! Il y a l'ennemi moche à trois têtes. C'est une hydre dégueulasse! L'hydre dégueulasse. Non mais là il va y avoir des ennemis qui vont popper, c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils nous laissent une zone comme ça tranquille. Papier d'ombre, alors ça sera une arme pour numéro 2. Number 2. Ça serait bien qu'ils décident de... Hein, d'avoir un petit nom. Voilà, un petit nom sympathique. Salut, à plus. Au revoir Pokémon dégueulasse. C'est un Digimon. Quoi, tu veux dire que les Digimon sont des Pokémon dégueulasses? Non, parce que je trouve que Digimon est beaucoup plus intéressant que Pokémon. Voilà, c'est dit, hein, ça y est, c'est la guerre. Mais Osef. Alors là, il y a deux chemins. Et ça m'emmerde. Je sais pas où aller. Je sais pas où aller. De toute façon, ça veut dire quoi, cette petite icône verte? Je crois que les deux mènent au même endroit. Hein, je crois que les deux... Je crois qu'il y a... peu d'importance. On va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté parce que là faut traverser une petite zone, donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de plus intéressant de ce côté. Ah mais là ça descend et de l'autre côté ça monte. C'est chelou quand même. Ah bah non, vous voyez, je pense que l'accès qu'il y a en haut, c'est le même accès. Ok, de toute façon on explore pour le moment. On sait pas trop où on est, on sait pas trop où on va. Si on cherche la forteresse, machin, tout ça, on a compris. On va quand même explorer, maximum. Ouh, toutes les âmes de Minouze, là. Ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Oui et non, parce que, bon, l'utilité du machin en repassera. C'est quoi les âmes de Minouze? Ça donne des vêtements? Je sais plus. Si, je crois que ça donne des vêtements. Donc on s'en fiche complètement parce que les vêtements ne donnent aucun bonus. C'est juste un aspect visuel. Donc, Osef complet. Je vais fermer. Désolé. Désolé. Ah mon dieu. Daijoubu ka, shounen? Nan de koe o agenai no? Kizuku no ga okurete tara shindeta wa yo. Meirei dakara kuchi o kiku na tte. あれは違う。あんたはなんでそんな。落ち着け、ベルベット。お前、
大魔師に刺激されていたのか。やはりそうか。こいつは意志を封じられているんだ。本来精霊は人間と同じ心を持つ存在だ。だが大魔師どもは強制的に精霊の意志を封じ込めている。道具として使うためにな。ずっとこのままなの？わからん。大魔師の配下から脱した精霊は初めて見た。うわあ、うわうわうわ。少年。ストップ。Sinon, non mais je fais des erreurs, c'est avec le son. 困ったことがあったら言っていいんだぞ。困ったこと。C'est intéressant. Moi, c'est quelque chose, j'avoue, ça m'intéresse pas mal. J'aimerais bien savoir comment est-ce que ça va évoluer, ce petit personnage. Non mais là, ça monte, c'est pas possible que ça... C'est pas possible que ça revienne en arrière. Ah non, ça revient pas en arrière. Putain, je sais pas où je vais. C'est génial. C'est chiant de cette grotte, je comprends rien. Wow, wow, wow. Calmez-vous tous. Bon, ce qui est bien, c'est que ces ennemis sont assez lents. Donc pour les esquiver, c'est pas un problème. Oula. Ah d'accord. Buter le lapor. Non mais il y a plus de lapor là. Lapor, il y a pas plus fort. Je peux pas interagir. Non mais on peut pas interagir. Il y a de la plante là-bas. Oh, attendez, c'est un cul-de-sac en fait là-bas. Putain, faut que j'y retourne. Taimashi ga seirei no ishi o fujite ru tte itte ta yo na. Ah. Honrai wa ningen douyo, sorezore ga jiga o motsu sonzai toshite, zutto kono chi de ikite kita. D'accord. Son zai o chikaku dekiru no wa Taimashi no you ni rei nōryoku ga tsuyoi ichibu no ningen dake datta ga. Ano kōrin no hi de kawatta nda na. Seirei wa nami no ningen tachi ni mo mieru you ni nari. Ah. 命令通りに動く道具にされた。ゴーマに対抗する術を得たと人間どもは喜び、アルトリウスの奇跡だと称えたが、精霊は物じゃない。精霊は物じゃない。物よ。アルトリウスにとっては、精霊もゴーマも人間も、みんな五体操な断りを実現するための道具でしかない。物にしか見えないのよ。Non mais il est bête, c'est pas pareil. C'est très dégoûtant le truc tout ça, dis donc. C'est pas grave. Ouvrons des coffres. 35e de Minouze. Ça va, on en a assez. Vous avez trouvé Minouze. Quelle chance. Tu vas me donner quoi? Un peigne? Lol, non, parlez pas de peigne. Bon, il m'a rien donné, lui. C'est quoi cette arnaque? Putain, enculé, remboursé. On va revenir en arrière parce que je veux aller récupérer cette plante. C'est important pour moi. Si, si, je vous assure, c'est hyper important. C'est hyper important. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc. Ouais, mais le truc, c'est que... Je veux en savoir plus. Mais attends, non, c'était par là. Attends, mais je suis revenu par là? Mais c'est quoi ce bordel? What? Mais non, du coup, c'est pas par là. J'en sais rien, on va aller voir. On va aller voir. On comprend pas. On comprend rien. Je comprends rien. Je comprends. C'est génial. C'est super. Non, non, mais j'esquive les combats. C'est pas hyper intéressant, les combats. Il y en a une chier. Fiole de résurrection, c'est bien, ça. Ça, il faut m'en donner. Parce que j'aime pas trop en acheter, parce que c'est très cher. Donc, merdouille. Hein. Merdouillé. Eh, mais attends, mais c'est pas du tout là. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ok. Non, bah alors c'est peut-être une zone qu'on n'a pas encore vue, donc ça sera plus tard. Eh bien, c'est pas grave. On a quand même récupéré un coffre. Je trouve ça bien. Si, c'est pas mal. Si, 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 je vous assure, c'est pas mal. Je vous assure, on est plutôt content. Bon, un petit peu déçu. Là, je pensais que j'allais récolter une plante. Ah, mais regardez-les en haut. Ils sont ridicules. Pendu à leur plafond. C'est ridicule. Non, mais j'étais en train de dire quelque chose hein, par rapport aux Malak. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, tous les Malak, bah, ils vivaient hein, sur Terre avec les humains, sauf que les humains ne pouvaient pas les voir, seuls certains humains ayant une bonne résonance.
Et là, maintenant, depuis l'avènement, depuis que l'autre il fait des sacrifices à la con, maintenant, tous les humains peuvent voir les Malaks. Mais maintenant, comment est-ce que fonctionne le lien qui les unit, le fait que les exorcistes arrivent à utiliser les Malaks, à museler leur ah bah merde, je perds mes mots. Non, je perds mes mots. Là, ça m'emmerde. Ça arrive très souvent et ça m'emmerde énormément. Oui, il faudrait que je lise plus. Hein, pour ça, peut-être, ça m'évitera peut-être de perdre mes mots. Ça serait agréable. Leur volonté, voilà, museler leur volonté. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? On sait pas. Mais en tout cas, cette personne est déguisée en tortue. おいらはホワイト仮面にす驚かせてしまって恐縮す。ゴーマじゃないならセレか。いえ、仮面人は仮面にす。諸々のご不信はごもっともっすが、これ以上の追求はどうかご勘弁いただきたいっす。おお、これはご丁寧に。恐縮す。仮面人一族は槍手の旅商人。俺たちのような裏稼業には 何かと重宝する存在だ。行商人か。役に立ちそうね。はいっす。お客様の笑顔が第一。それがホワイト神屋のモットーっす。ただ、場所が場所だけにお値段は少々お高めになってしまうっすが。いやよ。負けて。ああ、誠に申し訳ないっすが、返京の商売は何かと手間賃がかかりまして。 それはそっちの都合でしょ。確かにそうっすが、素直に認めたわね。じゃあ通常価格で手を打ってあげるわ。感謝の印にお客様の笑顔ってやつをやっとくか。に恐縮っす。それ絶対マーンかね。マジビアニメ。マジビアニメ。何ですか。<笑> Il pète des câbles, ce machin. Ah, c'est vrai, là, je vais finir par dire la paille. Oui, c'est bien. Non, mais on va pas améliorer les trucs. On va pas. Quoique, peut-être, je sais pas. Non, mais le truc, c'est que j'ai pas encore regardé les équipements qui seraient plus intéressants. Non, mais là, un équipement déjà beaucoup plus intéressant. Non, mais on verra plus tard, parce que là, dans les médias, j'ai pas envie d'améliorer leur truc, parce que je sens qu'on va les améliorer, qu'on va les changer très rapidement, donc je veux pas améliorer des trucs que je vais changer, surtout qu'après, il va falloir améliorer les nouveaux équipements, et je pourrais plus les améliorer, parce que j'aurai plus les matériaux nécessaires. Pareil pour la vente, au final, on a rien à vendre, parce qu'il faut démanteler les équipements. Donc non, j'ai rien à faire avec eux, j'ai rien à faire avec un marchand. Donc Osef, on s'en va, on continue notre chemin. すごい値切り方だったな、ベルベット。当たり前の交渉よ。食い殺して品を奪うよりマシでしょ。お前、死神より恐ろしいな。仮面人。あんな変な奴がいるなんて世界は広いよな、少年。 あっちも俺たちを見て同じことを思ってるだろうさ。ゴーマと精霊と死神のご一行か。でしょうね。Ah, ça c'est sûr. Voilà la team, quoi. Et puis quand l'autre, Magilou, elle nous rejoindra, ça fera une sorcière en plus. Donc ça fera. Ouais, non, mais techniquement, c'est deux démons, deux Malaks et. Et ça fera une sorcière. Parce que l'autre, là, le Aizen, c'est un Malak aussi. Et Yoruzo, l'autre con là, avec son épée, là, qui veut pas l'utiliser, bah, c'est un démon, donc merde. Ah, ça a l'air d'être la suite. Mais on va voir ce qu'il y a de ce côté de la grotte. Avant d'aller à la suite. Ah, c'est peut-être du côté où il y a la plante. Ah, ça a l'air. Ça a l'air. Quand je dis que ça a l'air, mais peut-être pas forcément. Ok, on a un téléporteur, c'est déjà pas mal. On a un coffre, des galdes, pourri. Tunnel, la donne ouest. Non, je ne veux pas.
Je ne sais pas où ça mène. Mais bon, on l'a trouvé, donc c'est déjà pas mal. Merde. Je sais pas où elle est, la plante. C'est pas grave. C'est pas grave, on continue. Alors oui, je fais pas beaucoup de combats dans les vidéos, je sais, mais c'est volontaire, parce que bon, on n'est pas là non plus pour spammer. Hein ? Moi, je suis plus là pour découvrir l'histoire, hein, comme je vous l'ai dit. Le farming, je le fais généralement quand je rentre chez moi, que j'ai la tête dans le cul, j'ai le goût à rien, et je farme de manière bête et méchante. Comme ça, je peux profiter pleinement de l'histoire en vidéo directement, en rushant, entre guillemets, l'histoire, parce que je ne rush pas du tout, étant donné que j'essaye de découvrir un maximum de choses. Après, je sais bien qu'il y a des combats qu'on ne peut pas éviter, donc c'est pour ça. Équilibrons un petit peu le rythme des vidéos. Voilà, voilà. Sacoche de mercure. Ça, c'est pour le gamin. À mon avis, elle doit être de bonne qualité, de bonne facture. Enfin, en tout cas, de meilleure facture que ce qu'il a actuellement. Ou du moins, je l'espère. Sinon, c'est de l'arnaque. Non, 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 non. Je porte la clé de Saint-Georges. Ok, ça passe. C'est un jeu d'esquive en fait. C'est un jeu d'esquive maintenant. Ouh, c'est l'herbeau. La mort. Tchétché. Oh merde. Aifrido Kaizokudan no Fukuchou wa myou na gen o katsugu no ne. Kuse mitai na mono da. Douse ura shika denai. Sono kinka tte doko no kuni no mono nan da? Omote wa megami. Ura wa shinigami nante no wa hajimete mita. Ura gawa wa genmitsu ni wa shinigami janai. これは魔王ダオスだ。なんかどっかで聞いたような名前だな。女神マーテルと魔王ダオス。ラグナロック第765章ユグドラシル戦記より。ほう。よく知っているな。これは異国の古代遺跡から発掘されたカーラン金貨と呼ばれる貨幣だ。柔らかい金でできているが。特殊な加工で高度が高められていて傷がつきにくい。へえ、ずいぶん珍しいものなんだな。あんた本が好きなの？好き？テレサ様の部屋にたくさん本があって、僕はいつも本を読んでいた。ラグナロックは神話時代の戦記で何回も読んだ。それにしてもそんな珍しいコインどこで手に入れたの？話せば長くなるが。ならいい。ちなみに、さっきはコインで何を決めたんだ？今話すようなことでもない。そうか。余計な詮索だったな。すまん。Bon, bah déjà, on a appris que le gamin, il aimait bien lire. Donc, il va avoir une certaine culture du monde dans lequel nous... Le monde duquel nous traversons actuellement, et qu'on n'y comprend rien. Plateau de Burnac, la croisée des chemins. Voilà, de la couleur. De la saturation. Le ciel est très beau. C'est un côté un petit peu pastel, j'aime bien. Enfin, pastel, non, pas pastel. Ouh. Ah. Ah oui, j'ai quand même une belle muraille. Ah oui, d'accord. Bah, c'est con, il y a juste une petite palissade en bois sur le côté. Descendons. Allons voir un petit peu ce qui s'y trame. On va devoir attaquer comme ça, frontal, tout de suite. Merde, je me suis fait attaquer par une plante. Merde, je me fais déboîter. Vous m'avez saoulé. Kokadim, ouais, très bien. C'est longtemps que j'ai pas entendu Kokadim. On a changé de combo, c'est pas très efficace. Voilà, c'est plus efficace. Non mais j'ai plus d'âme là, c'est chiant. Arrête. Protège-toi. Voilà. Maintenant on défonce. Non 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 non, protège. Mais des fois les âmes on les perd très rapidement. Et d'autres fois pas du tout. Donc je comprends pas. Oh merde, elle a tapé derrière. C'est le problème en manuel, c'est que généralement on n'arrive pas à focusser les ennemis. Peut-être qu'à la manette c'est plus facile, j'en sais rien. Moi, je ne peux pas. On a quand même 4... Ouais, non, c'est pas mal. On a 4, je pense que le maximum, ça sera 5. Kamenin, c'est quoi? Namae no tori,
亀人だ。だから何なんだ？亀人は亀人だ。行商が得意な種族だと考えればいい。ま、ウミガメみたいな甲羅を背負ってたし、名は体を表すってやつか。俺は6番目で六郎だしな。僕は2番目の使役精霊だから2号。それは名前じゃない、ただの称号だ。いい加減少年にも名前をつけてやらんとな。僕の名前。Bah ouais, mais comment l'appeler, hein? Ça c'est compliqué. Alors, je vais plus sur les fleurs. J'ai compris. J'arrête ça immédiatement. Je ne piétinerai plus la nature, désolé. Ouh, c'est chelou ce truc. C'est chelou. Kébi ga inai na. Oshite miru ka. Mate. Shirabeta jōkyō dōchi ga.結界が張られてるのか。警備を変えやがったな。なるほどね。さっきのサソリやこの結界が死神の不幸ってわけか。この程度で済めばいいんだがな。正面突破は難しいな。どう攻める？崖を降りた先に検察時に使われた搬入口があるはずだ。そっちを探る。オッケー。よく調べたわね。この程度は当然だ。c'est descend. Je crois pas qu'on puisse descendre jusqu'en bas. Ça fait le bruit d'un éléphant, cette merde. Ok, donc on peut pas y aller. Je vais pas me défaire. 結界の仕組みがわからない以上、正門からは侵入できん。搬入口を探るんだ。Oui。C'est bien vrai ce que tu dis. Mais dans l'immédiat, moi j'aimerais bien aller... On va voir ce qu'il y a là-bas. Aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est pas du tout notre objectif, mais on a vu une plante au loin. Et pas le genre de plante qui t'agresse. Le genre de plante qui est... que tu peux ramasser. Parce que c'est un peu plus intéressant. Ah mais par contre... Ah mais si je descends... on va voir. J'ai bien envie de descendre parce que ça... Ça n'a pas l'air d'avoir d'être une zone très importante pour l'histoire. Donc ça serait peut-être une zone dans laquelle on n'aura pas besoin de s'y rendre. Donc autant y aller pour le découvrir. Ah quoique, à mon avis c'est par là qu'on devra passer. Mais c'est pas par là qu'on doit passer dans l'immédiat. Donc je pense plutôt qu'on va aller vers l'objectif. On va aller vers l'objectif à mon avis. Parce que clairement... Ça va être par là qu'on va devoir passer pour aller dans la forteresse. En toute logique, c'est comme ça que ça va se passer. Je pense. Je peux me tromper. Mais je ne pense pas me tromper. Donc on va passer par là. On voit que sur la carte, il y a un objectif. Oui, oui. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Calme-toi. Attention, marchons pas sur les fleurs, c'est dangereux, ces petites merdes. Une porte ici, elle est la bonne carte. Ah, mais on peut pas y aller. Merde. On peut pas y aller, donc notre objectif est tout niqué. Non. Bon, bah c'est pas grave, on va aller là-bas. J'ai bien envie d'essayer d'en combattre un, là, pour voir ce que ça donne, ces trucs. Ça vous dit? Ouais, ça me dit, moi. C'est quoi comme truc? Amorph bête. Donc ce combo devrait être pas mal. Bon, ça a l'air, ouais. Bon, après, ça a l'air d'être des créatures un peu moisies, donc. Un peu difficile de dire si c'est efficace ou non sur ces merdes. Ah non! Il a fallu qu'il soit éloigné de tout le groupe. Quand je lance la grosse attaque. Pareil pour la caméra, le problème c'est qu'on voit rien. On sait pas où est-ce qu'on regarde. Waouh, comment ça gueule dans mes oreilles. 84 d'XP, hein, c'est XP mieux quand même. Hein. C'est XP bien bien mieux. C'est XP bien bien mieux. Attendez, je vais couper, je reprends là où on en était.
Voilà, je reprends là où on en était. Ah, mais je sais pas depuis combien de temps je filme, du coup. C'est bête. Bon, c'est pas grave. De toute manière, l'épisode va se clôturer dans pas longtemps, je pense. Attends, je vais explorer, moi. Ah, ils ont succombé à la fièvre démoniaque, c'est bizarre. Ils peuvent pas avoir contrôlé des démons. Puis ça ira à l'encontre de leurs principes. Mais arrêtez de me snober, bordel. Oh là là, ça me saoule. Non, mais le problème, c'est que faudrait vraiment que j'organise ce truc parce que c'est un peu chiant. Interrompre les arts ennemis. Toi, ennemi fort. Non, mais ennemi multiple, cibler les ennemis éloignés, se disperser. Libre arbitre, ennemi fort. Ennemi de haut niveau, ennemi multiple. Tente d'affecter un maximum d'ennemis. Ça, c'est. Je sais pas. Non, mais non, ennemi multiple. Hein. Ok, ok, combat rapproché, lui équilibré, lui combat distance, oui exactement, attaque guérison. Ouais, on verra ça plus tard. Bref, on verra ça plus tard. Allez les gars. Vous êtes quoi du coup, semi-humain et cuirassé. Ah, les points faibles ça. On pourrait avoir un combo très puissant contre eux, mais... Regardez, ça se passe tranquille, on s'en fout, on y va à l'arrache, voilà, et puis ça passe. Pour le moment, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Kébi が傲慢病にかかってるとはな。これも死神の力か?まあな。けど、突っ込んでたら危なかった。止めてくれて助かったわ。俺じゃない。気づいたのはこいつだ。 J'ai pas le temps de lire les sous-titres, des fois... Oh, il est énervant quand même. Hein. Évolue un peu, vole de tes propres gels. Attends pas qu'on te dise quelque chose. Des loups? Il y a un loup? Marrant ça. Un petit loup, oh, pas des plantes. Ça fait peur les plantes. Oh si, ça fait super peur. Attends, un loup, ok, une fleur, non, merde quoi. Putain, je sens que ça... Attends. Ah non, c'est bon. Je vous jure, moi j'ai peur des fleurs plutôt que des monstres. Non mais d'ailleurs on va le faire lui, parce qu'on a fait de loup nous. Ah, ça a l'air d'être créature pas ouf. Allez, on les défonce. Ouh, c'est une jolie attaque ça. Par contre ça a fait zéro dégâts, ça devait pas être quelque chose qui les affecte. Ok. Je sais pas du tout quel combo est efficace contre ces créatures, mais je m'en fiche un peu. Nature et bête. Ok. Osef, tape, on verra ce que ça fait. Si, mais le cocadim, là, le fil de flamme, ça doit être efficace contre eux. Donc deux arts et hop, deux fils, ça doit être puissant normalement. J'ai l'impression que le son est très fort, je sais pas pourquoi, pourtant je l'ai pas augmenté. Je sais pas. Non, mais normalement j'avais vu que c'était un bon réglage, donc y a pas de souci à ce niveau-là. Ah, par contre, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je pense que ça fait assez longtemps que l'on filme. Donc, je pense qu'il serait judicieux de s'arrêter là. On va juste passer la porte pour voir si y a une petite scénette ou quoi que ce soit. Là, j'en ai pas. Petite cinématique ou autre. Voilà, petite cinématique. いや、偶然蔓延したところに俺たちが来たんだ。
死神の道連れとはこういうことだ。悪く思うな。むしろ好都合ね。敵は組織的な対応ができなくなってる。こっちは少数だ。確かに乱戦の方が有利に立ち回れるな。アイゼン、開門を開くにはどうすればいいの？開閉装置は開門の上部にあるはずだ。それを起動して合図の呪しを上げる。了解。開門の上ね。Oui. Alors, oh sérieux, des voitures. Ça ressemble à des voitures. Regardez comme ça, on dirait des voitures, c'est génial. Putain, le style des charrettes est génial. J'adore. J'aime beaucoup. Par contre, on doit se battre contre des murs. C'est pas ouf. C'est pas ouf comme ennemi. Ce que je vais faire, je vais peut-être aller farmer un peu. Ah, mais je suis pas très très chaud pour farmer dans l'immédiat. Bref, de toute façon, je coupe dans l'immédiat. Je vais essayer de voir un petit peu, régler un petit peu toute l'équipe. Peut-être préparer les épisodes, j'en sais rien. Je vais voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, je coupe. C'était Yannick 42 pour la chaîne de Zizouillance. Nous jouions à Tales of Berseria. Et je vous dis à la prochaine.